Salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. J'espère que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barik ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai pas trouvé. Ah, quoi que si, j'en ai une ici. Une petite pince pour fermer là, pour voilà, bien bloquer. Surtout ce genre de foulard, c'est bien. Hein. Ça va qu'ils sont assez fins et tout, mais moi sur ma tête, ils arrêtent pas de glisser. J'arrive pas à les laisser. C'est inconfortable pour moi. Voilà, mais bon, je l'ai quand même pris parce qu'il est léger. Aujourd'hui, au programme, on est vendredi. Voilà, j'ai mon Moubaraka, Inch'Allah. Sera décalé, ça c'est sûr. Là, tout de suite, voilà, je me suis habillée. J'ai une petite gilet là-bas, une petite gilet là-bas. Toute simple comme ça de chez Shein. Voilà, c'est fine. Oui, j'arrive. J'arrive, Radja. Bah, j'y vais, là, je vais avec ma soeur. J'emmène mon fils aussi. Mon beau-frère qui va nous emmener. On va aller se recueillir auprès de la tombe de mon papa. Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, voilà. Je sais pas si ça sera dans la suite de la vidéo de l'anniversaire de Jana ou ça sera un autre vlog. Je sais pas encore. C'est vrai que je suis vraiment pas du tout organisée là depuis que je suis là. Mais voilà. C'est très important. C'est très important pour moi d'aller me recueillir auprès de la tombe de mon papa. Surtout que je dirais j'ai un petit peu de retard depuis que je suis venue. Je suis pas encore partie. Parce qu'il y a eu certaines choses et subhanallah, c'est tombé un vendredi. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était un vendredi. Et alors, on y va? Allez. Et alors, bismillah. Allez, on descend les escaliers. Il fait chaud. Salam alaikum. Salam alaikum. Vas-y, Nanou. Oui, avec le soleil. C'est vrai qu'on a peur juste avec le soleil. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui encore. Machin, non? Mais j'emmène mon fils, ouais, ça lui fait plaisir de partir. Puis moi aussi, j'aime bien. Puis les filles, non, elles sont trop petites. Hein. J'ai pas envie d'emmener les filles. Jana Mskina, elle a pleuré, elle voulait. Bah, Rihanna aussi, elle a pleuré. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Attends, ferme ici. C'était ouvert? Oui. Vas-y, rouvre pour voir qu'est-ce qu'il y a. Je vous disais, ouais, les filles, Jana, elle voulait y aller. Mais la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Jana, je mettrai un chapeau, une casquette et tout. Là, j'ai trop peur. Allez, on fait attention, traverser, parce que là, on est sur la route du tramway. Voilà, regardez, je vais le remettre correctement. Voilà, ça, c'est je me bats avec lui tout le temps. Vous allez me dire, mais mets un bonnet en bas. Je peux pas mettre un bonnet, j'aime pas mettre un bonnet. J'aime pas mettre un bonnet, ça me serre la tête, après, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Allez, j'arrête de filmer, on y va. On vient d'arriver, j'ai mis le chapeau de ma nièce. C'est quand c'est soleil, machallah, qui tape. Sinon, je vais avoir une insolation. Comme j'étais chez ma maman, j'avais pas mes affaires. Je veux dire, il est où mon téléphone? Je suis en train de filmer avec. À côté de la plaque. Ahmed, qu'est-ce qu'on dit quand on rentre dans un cimetière? Hein? Quand on rentre dans un cimetière. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Salam alaikum. Ya ala qabour. أنتم السابقون. أنتم السابقون. ونحن. ونحن. إن شاء الله الله بكم الله يحيكم. تقول اللهم ارحمهم وتقبلهم. الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم يا ربي. C'est ce qu'on dit avant de rentrer dans une maqbara, dans un cimetière, que eux nous ont devancés, en quelque sorte, qu'ils nous ont devancés, que ben on va les rejoindre. Faut ouais. À méditer, à réfléchir. Tellement de choses dans. On veut tellement de choses dans ce bas monde qu'on en oublie l'essentiel et le plus important. De faire du bien autour de nous, avec des belles paroles, avec un sourire, des beaux gestes. Sadaqa. Avant? Non, je crois pas. Non, il est là-bas. C'est tellement étendu, machallah. Difficile, c'est quand même difficile de venir. Mais c'est reposant aussi pour nous de se recueillir auprès de nos défunts. Pour pouvoir faire le deuil. Et malgré les années, en fait, tu le fais pas vraiment parce que y a le manque. Ah, je vais arrêter là, j'ai pleuré.
lui dis, bien sûr, quand je vais voir la tombe de mon père, je vais être en sanglots. Il manque tellement de skin. J'ai plus de voix. Et là, j'arrête, et puis c'est pas un endroit à filmer en plus. Re-coucou, re-salem. Je dis, maintenant elle est arrivée, elle m'a dit tu vas ranger tes affaires, dans une heure ou deux heures tu seras prête. Non, on va ranger là tout de suite, on va au hammam, je vais au hammam avec mes filles, avec mes cousines, mes petites cousines, et ben, bien sûr avec mes tatas. Voilà, je lui dis tu veux que je te montre, je te filme, tu viens sur YouTube. Elle m'a dit là qu'elle hachme, tu qu'elle hachme, khalti. انتي الله يا ربي الله غدي غادي يطيح الثلج هيا لا ليها جبتها لوغ وني مور دو كيس كي سي باسي وني روفني اون اتوندي ان تي بو اون ا مانجي ا بون كوسكوس باسكو سي فاندردي فو سافوار كيسي 99% des Marocains ici au Maroc font du couscous le vendredi parce que bah, c'est j'aime moi, parce qu'ils sont en famille, tout ça. Voilà, on a mangé un bon couscous, il était vraiment excellent. Franchement, il était excellent là. Presque tout mangé, machallah, mais on était nombreux aussi. Voilà, on s'est reposé un petit peu. Ceux qui ont fait la sieste, ceux qui ne l'ont pas faite. Moi, je fais partie de ceux qui ne la font pas. C'est rare, si vraiment. Je suis hyper fatiguée en sachant que ma fille m'a réveillée à 7h du mat. Voilà, je fais attention à ce qu'elle fait. Et quoi d'autre? Voilà, après mes oncles sont arrivés. Voilà, tous les vendredis après-midi, ils viennent chez ma maman se réunir ici. Voilà, ils avaient pris cette habitude en fait quand elle était ici en hiver. Voilà, elle était restée l'hiver et début de printemps. Ils avaient pris cette habitude en fait. Et là, pareil, quand elle est revenue il y a quoi, presque deux mois. Ouais, puisque depuis le mi-juin, je crois, elle est là. Machallah. Et ils ont repris cette habitude-là, et là, ils le disaient tout à l'heure, ils disent, bah là, dans pas longtemps, tu vas partir et tout. Voilà, ça sera un manque, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois quand elle est revenue. Ils sont mis carrément à pleurer. Maman nous racontait quand elle était revenue. Elle dit, bah, elle nous disait, voilà, vos oncles pleuraient et tout quand je revenais, parce que, ben, ils ont pris l'habitude, c'est ça. Ouais, et ma mère, elle ressemble tellement, tellement, tellement à ma grand-mère, l'arhama. Que voilà, l'un de mes oncles l'a dit, ben, on vient parce que voilà, t'es notre sœur et parce qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, tout ça. Il a dit, tu ressembles tellement, tellement à Maïcha, l'Arhama, nous, c'est comme ça qu'on l'appelait, ses petits-enfants et même les voisins, tout ça. Il dit, tu ressembles tellement à Moui que ben voilà, c'est un plus, quoi. Voilà, ben, que Dieu nous laisse toujours réunis comme ça en famille et tout, voilà, d'être toujours ensemble. C'est des souvenirs qui remontent à la surface. Quand ma mère, elle est en train d'engueuler mon fils, je crois. Voilà. Ma mère est dans tous ses états avec mes enfants. Ma mère, elle est en son basse de nature. Et quand mes gosses qui arrivent, là, on est à J+2. La tension, elle monte petit à petit. Je vous jure. On est en train de se préparer pour aller au hammam. Voilà. Ouais, on dit oui, on dit pas ouais. Je vais emmener mes fifi et on va partir avec mes tantes. C'est qui derrière moi? C'est Khalti Hayat. Je mets Tihoui, j'ai coulé la baki. Yallah, j'y mets. Jana et Rehana, de plus en plus, elles parlent arabe. Ah, j'aime trop. Je fais tout pour qu'elles le parlent. Je fais tout. Bon, sauf des fois, c'est pas des fois. Sauf à l'extérieur. Alhamdoulilah, Rehana. 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 Alhamdoulilah. Jana, surtout Jana, voilà, quand on sort dehors, bah, ils ont l'habitude de parler en français. C'est pas dérangeant, mais juste quand on veut acheter. Bah, voilà, tout d'un coup, j'ai que c'est écrit sur notre front. Et encore plus, ça confirme quand nos enfants parlent. Bah voilà. Au lieu que ce soit 30 dirhams, pour nous c'est 60 ou 90. Le double ou le triple. Eh ouais, yallah, nan jemao. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je vais continuer ou pas la vidéo, je verrai bien en fonction. Ou sinon, je continuerai demain, Inch'Allah. Yallah.
Et à notre tour, on a eu le droit à une bonne halala par ma maman, Miskina, parce que, bah, elle n'est pas partie avec nous, comme elle était partie la veille avec ma soeur Nadia. Voilà. On est rentré, on a eu la surprise d'avoir une bonne halala. On a mangé ça, c'était super bon, on en avait envie après le hammam, je ne sais pas vous, mais moi j'aime trop après le hammam. Puis après, on a fait un gros dodo. Et voilà, après combien? Jeudi, vendredi, samedi? Ah, 3 jours. Bah, c'est déjà bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Allez, on repart, Inch'Allah. Adam, t'as le sac de ta soeur, c'est ça? Et alors, moi, je vais prendre la valise. Tu devrais descendre avec papa. Dépêche. Allez, on y va.